Novembre numérique continue à l'Institut français Centre Saint-Louis. Après les expériences de réalité virtuelle dont on vous a déjà parlé, voici les autres événements à ne pas manquer, en commençant par l'exposition de réalité augmentée. La réalité augmentée, qu'est-ce que c'est ? Il suffit tout simplement de télécharger une application qui s'appelle France Émotion. On l'ouvre. On approche le téléphone du tableau. Et les tableaux changent. C'est une exposition qui est montée en collaboration avec Atout France. C'est un opérateur français qui promeut le tourisme en France. Et donc on a une série de photographies qui sont magnifiques, qui amènent à découvrir le patrimoine français dans toute sa diversité, les musées, les monuments, les sites naturels. Et donc à chaque fois, vous allez avoir un personnage qui va mettre en valeur ces lieux d'une façon un peu ludique, si je puis dire. On a donc l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, et une main arrive maintenant pour tout allumer depuis le téléphone et l'application, évidemment. Quatre artistes internationaux signent cette exposition destinée à promouvoir la France de façon artistique. Ce sont 35 diptyques séparés sur quatre chapitres, en fait. Vous avez le premier chapitre qui est sur les arches. Le deuxième chapitre est sur les châteaux. Le troisième chapitre concerne les lieux d'art. Et le quatrième chapitre, l'art et sa transformation. Ça, c'est la section des châteaux. On essaye. On a le château de Thoiry à droite. Et à gauche, quelqu'un qui joue du clavecin. Et ici, on a le palais des papes en Avignon. Ça, c'est le château d'Amboise. Mais pour savoir comment il s'anime en réalité augmentée, c'est à vous de venir le découvrir sur place. Mais ce n'est pas tout. Novembre numérique, c'est aussi l'occasion de découvrir des courts-métrages filmés avec un téléphone portable. C'est le Mobile Film Festival. Ce sont des jeunes, la plupart du temps, qui sont invités à faire un film avec leur portable en une minute sur le thème des droits humains. Et ces très petits films sont présentés pendant tout le mois de novembre en avant-première de nos séances de cinéma, avec des créations extrêmement originales du monde entier. C'est vraiment génial. À découvrir sur YouTube à partir du 14 novembre. Tout est gratuit. Mais chez nous, on vous fait voir l'édition 2018 et c'est des bijoux. Et c'est une minute, mais une minute qui vous restera ancrée. Novembre numérique, c'est jusqu'au 30 novembre à l'Institut français Centre Saint-Louis. Pas encore abonné à notre chaîne ? Cliquez donc sur s'abonner et ensuite sur la cloche pour être averti de nos prochaines publications.